C'est bien, on est maintenant dans la partie fun et interactive du stream. Ah bah oui, je prends ça moi. Et j'ai une hache. C'est fort les haches ou pas? Ça dépend, il est marqué combien ça tape. Ouais, non mais du 19, mais je veux dire en... Mince. En termes de gameplay, c'est bien ou... Alors, je sais pas du tout. Je sais que réduit les points d'attaque, j'ai 5... Ah bah vas-y. Moi, mon halbarde là, elle réduit les dégâts de... 80% à 5 ennemis autour de moi. C'est bien ça. Bon, je vais faire une autre truc et après... Alors, une armure de chasseur, ouais. Hop. C'est la merde. Aïe aïe aïe. Bon, voyons vers où on peut aller. Ça a ouvert... Ouais, ça a ouvert la map du temple du désert, en fait. Ah, ouais. C'est pour ça. Alors. Ah bah, en plus, il y a deux items. 4 items qu'on peut avoir. Fouillons vite fait le camp, voir si on a pas un truc... En plus. Ouais. En sus. Alors. Bah, je vais dans la maison. Moi, je vais en bas. On les avait, les cochons, au début? Oui. Je sais pas. Ta poule, Jack. Ouais, toujours fidèle. On va... Toujours debout. Elle a mal à la guibole. On fouille un peu. Coffre. Ah. Oh, 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 oh. Ah ouais, bien joué. Ah oui. Et 50 emeraudes. On peut pas les tuer, les moutons. On de la lune. Pardon ? Tout le monde a pu prendre le coffre ? Ouais. Oui. C'est jamais si des fois c'est que unique. Parfois. C'est bon, j'ai une nouvelle arme de mêlée, une arme de la subtilité. Le marteau ? Moi j'ai une petite hachette, regarde. Je suis un bûcheron. Eh mais je tourne et tout ! Quel swag. Waouh ! Ah, il y a un autre coffre là-bas. Où ça ? Où ça ? Ah oui. On peut pas acheter de flèches hein, ici, c'est ça ? Non, mais non. T'en as de base, je sais pas combien. Non. En fait, ça dépend de ton arme, en fait. Ça dépend de ton arc. Ouais. Bon, on lance. Ah bah, ouais, on va où du coup ? Le champ des citrouilles, le temple ou la forge pour rester dans le thème du désert ? Parce que le champ de citrouilles, c'est un peu plus reculé, on va dire. En fonction du niveau. Bah, on est tous. Alors, puissance de l'équipe 20, bah, ça va s'ajuster en fait à notre puissance à nous. On est bon là, on est puissance 4. Ah, et j'ai mis les rouges. On est au-dessus. On est au-dessus des niveaux pour l'instant. Alors, on peut. Enfin, mais si on monte la difficulté, c'est la merde. Et pour débloquer le dernier point, il faut faire la forge ardente et le temple du désert. Ok. On peut faire un des deux. Bon, on va faire le champ de citrouille. Ouais, Est-ce qu'on reste sur la difficulté sur laquelle on sera normalement à l'aise ou on l'augmente ? Bon. On la laisse comme ça ? Très bien. Ouais, 12 à 21 et on est le 20, donc ça devrait être bon. Ouais. Bah non, on met 10. Juin. Moi, j'ai écrit puissance recommandée 16, puissance d'équipe 20. Ouais, bah ça doit être bon, je pense. Ok. Parce que au-dessus, c'est 22, en fait. Attends, faut lire le texte. Ah, oui, ah merde, oui, pardon, excuse-moi. Le dernier foyer accueillant. Les invasions des villageois ont atteint les champs de citrouilles autrefois paisibles. Les villageois furent enchaînés et emmenés de force, le reste fut brûlé. Tout semblait perdu. Mais un village se dresse encore au milieu de ce chaos. Putain, j'ai envie d'enchaîner avec les trucs d'Astérix, mais... Ce dernier bastion demeure un symbole d'espoir, mais ils ont besoin de notre aide. Et c'est de potions magiques. Et d'un vieux barbu. Je suis là pour le dernier niveau. Ils ont une cloche. J'espère que dans le stream ça s'est pas entendu, j'ai mis un violent coup dans mon micro. C'est pas grave, on peut tous... voilà. Vile un micro, vile. Les villageois auraient dû descendre cette campagne jadis luxuriante.
seul un village reste épargné dans cet endroit du monde. Faites, chers héros, vous devez avertir ces villageois du danger. Tout dépend de vous. Enfin, c'est tout cramé à 5 mètres quand même. On va devoir aller cliquer sur la cloche. C'est joli. On peut pas les ramasser les flèches là. Il y en a un peu beaucoup quand même. Je veux les tournesols. Je veux me battre à coups de tournesol s'il vous plaît. Je veux que ça soit possible. Roulade. Je viens de faire un dégât à 566. Putain, bien joué. C'est la subtilité du marteau, c'est ça? Exactement. Encore. J'étais. Jack, t'as dit coffre, non? Trois coffres, un secret. Ah, d'accord, je pensais que t'avais trouvé un coffre. Non, non, je viens d'arriver après le 500 ans de chargement. L'allonge que j'ai, quand même. C'est l'automne, quand même. Ouais, très la citrouille, hein, cela dit. Y a rien sur le carré avec le trou au milieu, là? Y'a rien. On peut pas y monter. Piège, sûrement un piège. Il y en a un double. Hein. Oh là là, mais c'est qui fait ça? Ah, c'est les types, là. Non? Ouais. Paf, la pastèque. Mais les pauvres animaux. C'est clair. On a aucune pitié pour les croissants et pour le reste. Ça fait mal à mon petit cœur. Ah, coffre. Lequel? Oh là, ça sent le tracteur, le coffre. Même pas, tulipe, même pas. Il va super vite, Draken. C'est parce que j'ai gardé les bottes. Il s'est arrêté par les araignées, chais. Oh. Mais ces flashs, elles sont merveilleuses, quoi. Moi. Moi, je réduis les dégâts des moutons et des vaches. Waouh. Ouais, j'ai 80% de chance de réduire les dégâts de mes ennemis. Je vais voir là-bas. Ouais. C'est où, ça? Ah, ça mourir, oui. La flèche de Ralga avec le mur. Elles sont géniales. On dirait qu'il y a des trucs un peu bizarres par là. On peut pas monter. Ah, peut-être qu'on pourra on y aller dirait après. Qu'on peut y aller. Ah, on ira un peu plus tard. Ah oui, regarde la map, on peut faire un demi-tour. Oula. Esperluette, hein. Les mages. On va peut-être falloir reculer. Pourquoi? C'est par là le niveau en fait, où on va. Là où on va? Mais moi il me cible ailleurs. Ah, oui. Oui, non, oui, c'est vrai. C'est il bon. Y avait le point. Bah non, mais il me retourne aussi en arrière. Rien de dire. Attends, map. Oh non, oh, non, c'est bizarre. Non, c'est non, on est bon. C'est parce qu'en fait, le point il recule avec nous en fait. Il y a peut-être un secret derrière par contre. Il y a un bout de map dans le vide, à côté de... Ah putain, va falloir qu'on retourne là-bas, quoi. Mais oui, c'est bizarre qu'ils nous disent d'aller là-bas, alors que... Non, mais on est bon, là. C'est quoi, ça? C'est mon totem protection. D'accord. Et moi, j'ai fait un fire aussi. Voilà, bah, on a un secret. Il y a une caverne secrète, là. Ouais. Enfin, pas secrète, mais il y a une caverne. Il y a un coffre dedans, et c'est tout. C'est un bateau, il y a des cartes. Ah, il y a des monstres qui vont arriver. On peut pas prendre le trésor du capitaine Robert. Et un deuxième coffre. Et du coup, ça on a déverrouillé un emplacement, je crois, apparemment. Un emplacement? Bah ouais, quand tu cliques dessus, t'es marqué nouvel emplacement.
Ah bon? On voit l'emplacement de quoi? Je sais pas. Par contre, un petit bug, genre le coffre il réapparaît, mais j'ai déjà pris. C'est bizarre. Alors. Bon. Bah, on va essayer de retourner là où il y a le secret. On va essayer de découvrir le mystère de l'Eshine. C'est pas le secret en fait, parce qu'il nous fait emmener là par là-bas le chemin. Déjà ça, mais il y a un secret derrière en fait. Enfin, il y a un secret. Il y a un bout de map. Non mais c'est normal, il y a juste... en fait la map qu'on a vue nous, on peut faire le tour, regarde. Non, il y en a vraiment un autre. Quand t'appuies sur M, quand t'as vraiment un bout là-bas qui est pas fait, et qui est dans le vide, donc je pense que t'as un saut à faire. Oula, oui, bah, il y a je vais aller voir. Allez-y, si vous voulez continuer, je vais voir, mais c'est un coffre, voilà quoi. Ouais. Oula, il y a du... F3, Jack, F3. C'était près de là. Ouais, c'est là, c'est ici. On est bien ouais, à côté. Mais où c'est que tu veux que j'aille, en fait? Y a rien à faire. Bah si, on va dans l'eau. Non, bah non, on peut pas. On peut pas. Donc en fait, il n'y a absolument rien. Ah, attends, faut remonter peut-être encore un peu. Faut passer d'une île en île, j'en sais rien. J'ai une question. Vas-y. Oui. Ah, c'est si peut-être Grégory ça. Si Grégory était encore en vie, est-ce qu'il aurait écrit le générique de Stéphane Bern, oh. Secret d'histoire? Pourquoi? Dans ma mémoire. Bon, bah apparemment y a rien. Je suis tombé moi. Ouais. C'est bizarre. Mm-hmm. Bon, mais c'est faux, y a rien, mais c'est quand même chaud. Peut-être qu'on pourra y aller plus tard. Ça m'étonnerait, ça l'a dit. Mais bon. Dans la maison, on peut pas y rentrer là. Non. Ah, je vais vous aller vite. Moi, j'étais mort, donc j'ai repop là-bas. Ah. mince. TP-toi, hein, Ralga, vaut mieux. C'est en cours. C'est trop cool, je fais tourner le marteau comme Thor. Tant que la chevelure. Hop. Sachant qu'il a le chauve, ouais. C'est tout ce qui lui manque. T'as une tête, et voilà. Ouais, y a par du contre, monde ça nous... au-dessus. Ouais. Ça nous attend en haut, là. Ouais, oh là là, mais. Attention. TNT, attention. Kaboum. Ouais. En vrai, tu l'as dit. Oula. Les mages d'abord, oula. Bon, ça a l'air d'aller. Du coup, y'a même pas un coffre au bout. Ça sert à rien en fait. Oh là là. T'as le piège à con quoi. Un peu, ouais. Ah, j'entends. Argent. Ah. Trop cher. Les sous, vite, les sous. Money. Alors, donc si on continue, c'est vers la droite. Hein. Ouais, il y a encore, il y a encore une petite. Il y a encore une petite partie. Mes flèches, putain. M'a volé mes flèches. Il a volé notre recette. Pirate. Tanzanie, le risotto. Bah, y'a rien là. Ouais, bon bah ouais. Ah si, y'a des araignées. Y'a trois mobs. Des araignées. Y'a un pot. Et des choux. Un pot. Y'a pas de petit profit. Ok, je sais pas contre moi, il m'en fait. 9. Mais il se réunit le coffre ou quoi? Non. Mais en fait, non, c'est un coffre par personne. On peut tous l'ouvrir, mais les ressources se dispersent. C'est quand même un peu con ça. D'un côté, c'est bien pour ceux qui ont plus de flèches, tu peux leur dire bon, ben prends les miennes, mais. Oh, regardez.
Un cheval. Ça sent pas bon là. Est-ce que c'est le temple Findus? C'était peut-être ambitieux de claquer direct le bouclier là. Ouais, parce qu'il va vite s'arrêter. Waouh. C'est compliqué. Hein. Difficulty. Si vous mourrez, je pleure. Hein. Okay, Tom. Après ce que vous venez de dire. Alors, il y a de l'argent à dos. Je me moquerai et puis à gauche. À gorge déployée. Ah, et là, il y a beaucoup de monde. Ils ont tué mon singe, n'importe quoi, mon loup. Ah oui, quand même, il y a une différence. Ouais, je sais pas pourquoi, je voulais que ce soit un singe. Ah, j'avais pas vu que j'avais... Il y avait un levier. Le pont levier. J'ai abaissé le pont levier. Là, par contre, il y a des provisions pour celui qui veut. Et y a des... Moi, je veux bien le pain. Je vais arrêter de piquer des flèches, j'en ai 400. Ah oui, quand même. Mais t'as, moi j'en ai que 30. Draken, il est parti, mais genre... Merci. C'est mon jeu, ok. Non, mais c'est pour récupérer des flèches. Sinon, Ralga, il les vole. Il y en a besoin aussi. En fait, depuis tout à l'heure, je joue en mêlée pour économiser les flèches. Maintenant, je vais pouvoir... Mais t'en as... Mais c'est quoi cette taille, là, Yaki? Bah, je sais pas, j'envoie des minibus, quoi. Allez, venez dans le bus. On voit des Cécile. Quoi? Cécile, le minibus... Non, j'ai pas dit par le contre, minibus. Il nous manque un cochon. Un secret et encore un coffre. Ok. J'ai un carquois enflammé, c'est quoi? Non, c'est pas ce qui est autour de toi, ça fait des dégâts? Je sais pas, mais un carquois, hein. Les flèches à Ralga. Ce carquois est rempli de flèches les plus mortelles. Ah, ben je prends. Ouais, level up. Et je dis au revoir à mon loup. Parce que soyons honnêtes, il est plus très utile, il se fait défoncer. Alors, il y a des sous ici. Il y a des sous un peu partout. Je peux envoyer des flèches enflammées? Genre vraiment? Non. C'est des menteurs. C'est juste pour que les flèches elles fassent plus mal. Mais... Ah, mais faut les activer, je suis con. Oula. Oh putain. Ça a l'air trop bien. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Je vais garder mes totems pour le boss. Ah, il y a une vache. À mort. Wesh, il est grand le niveau. C'est pas le village le plus fun qu'on ait croisé, cela dit. Ouais. Il y a de la joie de vivre par ici. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, oui, oui. Boum. Oh là, boss. Où ça? Il est où? Ah, un évocateur. Je suis pas là. Boum. La musique elle est super vénère pour rien. Eh mais y'a des... C'est quoi ça? Y'a des mini trucs volants là. Je vois rien. Y'a des mouches. C'est des anguilles à jouer. Ah oui et... Il est mort. Jim. Bon, alors il y avait quoi là-bas? Alors, on a gagné un secret ou pas? Non, toujours pas. Non, toujours pas de secret. Il manque un. Vite! Au labo secret! Ah, des flèches. Et. Il s'est barré tout seul encore. Ah mais vous êtes parti en arrière aussi. Bah écoute, on découvre le secret. Bon, on l'a pas trouvé, attends. Mais... Ouais, on essaie de le découvrir. Arbre.
Il y avait une potion là. Oh, bien. Ah, je change d'arme de suite. Hop là. Ah, bah j'ai aussi ton succès, Yaki. Quand tu utilises une mon potion. Succès. Enfin, ton succès, ton. Ton sort ah, qui crée à manger. Quand tu utilises ah, c'est bien ça. C'est pas vachement utile pour les autres. Pour une fois que je pense pas qu'à moi. Mmh. Besoin de soins, non. C'est juste que j'ai envie de me déplacer avec ZQSD et des fois j'appuie dessus par réflexe. C'est pas grave. Vous avez trouvé le secret de la rivière? Pocahontas? Non, elle c'est au-delà de la rivière. Non, au détour? Au-delà? Je sais plus. Un des deux. Oh, détour? Ouais, peut-être. Attention, c'est une zone très dangereuse. Nous approchons dans une série. En Guyane? Pourquoi Guyane? Bah c'est une ville en Guyane, Syrie, non? C'est pas du tout. Ouais, c'est court, ouais. Après, j'aime bien être con, moi, hein. Ça peut aider. Oula, c'était quoi ce... Aïe. Je sais. Aïe. Et vous allez mourir, oui. Je crois qu'ils veulent pas. Ah mais ils ont protection apparemment. Oula. Ça y est, on y arrive je pense. Ah oui, ouais, on y est, on voit le petit point sur la map. Petit point. Il y a un pot. Alors, moi je pense que si on clique sur la lanterne, ça va faire ramener tout le monde. C'est une cloche. C'est pas une lanterne. Donc peut-être trouvons-nous le secret avant. Mais qu'est-ce qu'une cloche sinon une lanterne sonore? Bon bah pas de secret. Pas de secret? Pas de secret. On est à jour au niveau des coffres? Coffre on est à 4 sur 4. Ouais. Attends, c'est quoi ça? Attends, est-ce que... Donc le secret, oh, je suis très déçu. Sur l'île que t'avais vue, Yaki? Non, moi je pensais que le secret c'était viser la cible avec l'arc, mais ça passe pas. Je suis très déçu. Moi j'aurais voulu que ça soit ça même, tu vois. Non, c'est pas, je suis pas là. Je vous attingue. Ah, si tu nous attingues. Je vous attingue. Ah, ça y est, t'as été vachement plus au sud que d'habitude, là. A plus, Tom. Ça fait un moment qu'il a dit à plus en fait. Ouais, mais bon. Je viens de le voir, d'accord. C'est bien répondu. Bon. Streamer en mousque. Au niveau des coffres, c'est bon? Coffre, oui. On est bon. Mais secret, non. Secret découvert, il nous en manque un. Donc, nous attendons. Maître Moya. Maître Moya, apportez l'enveloppe. Oh, c'est le ding-dong de la Nature Vampire. Mais oh, ça va, oui, il se fout de notre gueule. Bah, il a raison. Je refais la même. Hein. Sixinoscope. Prochain Call of Duty, wesh. Oula. Un avocat. Ouais, et c'est le boss. Ah, c'est cette chose. Ah, mais il refait des mouches, j'en peux plus. On est en train de le défoncer. Ah, ouais. Voilà. Tu le prendras. Hein. Ah, Ralga a une TNT, attention. Il va la faire rebondir contre la porte. Le mec, il va la faire juste devant la porte. Gâteau. Pour le là, j'ai voulu essayer voir ce que ça donnait. Tu voulais me faire mourir, à vous. Je suis pas encore mort sur le stream. Alors, je
préfère le dire maintenant qu'on est en chargement. Ah là là. Oh, j'ai une plume. Elle peut... Je pense que... Alors, vous permet de sauter en l'air et étourdir et repousser les ennemis. Donc je pense que cette plume nous sert pour la petite île là. Mais j'ai une plume légère. Moi, elle dit pas ça. Hein. Peut invoquer la créature mystérieuse. Ah, et un coffre en bas. Bah moi, je... Oui, une créature mystérieuse. Peu importe la créature mystérieuse de laquelle de cette plume peut bien provenir, elle est aussi belle que puissante. Ça invoque un poulet, c'est ça? Non, moi ça... Oh, des nouveaux marchands. Il y a un coffre en bas. Il y a un coffre en bas. Ah oui, les marchands, vite. Ah ouais, je peux faire un petit saut en avant. Ah, il donne des artefacts. Ouh. Ah cool. Il y en a qu'un ou deux? Super, le carquois que je viens de choper. Quoi. Oh, il a un lama. Mais... Soit d'aller proche, le plus baissé, vous super, compris. Le carquois que j'ai eu aussi. Ça par contre, bien. Ouais, carquois aussi, ouais. Donc ça, ne sert à rien. Et ça, ça me sert. Attention, j'ai un nouveau truc. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas sûr. C'est parti. J'ai une corne de brume. Ah, je l'ai aussi, la corne de brume. C'est très drôle. Une canne à pêche de merde. Ah ben la voilà, ma fléchette pyrotechnique m'a mieux. J'ai une question très 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 bête. Ça se cumule les carquois? Je sais pas, vu qu'apparemment il faut des âmes pour ça, pour l'utiliser. Non, le carquois. Bah le carquois artefact, non? Oui. Carquois. J'ai pas marqué il faut des âmes pour l'utiliser? Non. Des âmes, si c'est écrit. Ah, moi non. Ah, moi non plus. Moi, il est marqué, il faut des âmes. Moi, c'est carquois enflammé. Carquois, carquois enflammé. Ah non, c'est pas lui alors. À 30 secondes de temps de recharge. D'accord. Donc, je pense que ça doit se. Oui, j'ai mon lama, regardez. Alors, qui fait le lama? Invoque un lama qui vous aide au combat. Je veux un lama. Bah, il faut récupérer le blé merveilleux. Ah non, non, je veux un lama. Un lama. Il devrait être mort. Ouais, c'est dingue. Ah bah... Je veux un lama. Je l'ai aussi. Je viens d'avoir une bonus corrompue. Une ça tire un rayon puissant qui inflige des dégâts continus aux créatures. 160 de dégâts. Vas-y, essaye-le, teste-le pour voir. On fait sur le... Pas, Moi, je viens d'avoir un item québécois. Je viens d'avoir Calice de la Mort. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, mais ta corne de brume, elle repousse. Ta mort. Ouais, non, en fait, il me sert à rien. Sûr. Mais ça sert pas à grand-chose, la plume, quand même. Soyons honnêtes. Il y a un étage. Ouais, la plume, non. Je sais pas. Y'a pas d'autre coffre dans la maison, je vais y regarder aussi. Bon, je vais prendre un dernier coffre parce que je suis en train de bousiller tout mon flouze. Moi j'ai plus de sous, j'ai déjà tout dépensé.